Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Prière puissante pour la protection. La guérison divine. Saviez-vous que la guérison divine est biblique? Saviez-vous que la guérison divine est possible? Saviez-vous que la guérison divine fait partie du plan de Dieu pour votre vie? Parcourons quelques passages bibliques pour comprendre ce qu'elle dit à ce sujet. Premièrement, Dieu lui-même se présente à vous comme étant le Dieu qui vous guérit. Exode 15:26. 2. Deuxièmement, la prophétie biblique vous annonce que Dieu vous enverra le Messie, parmi les choses qu'il accomplira, vous aurez la guérison de vos maladies par ses meurtrissures. Ésaïe 53:5. 3. Jésus Christ est venu sur terre pour vous guérir de toute maladie et de toute infirmité. Chose qu'il a faite pendant son ministère terrestre. Matthieu 9:35. 4. Avant sa mort sur la croix, Jésus Christ confia la mission à ses 12 disciples, d'aller prêcher le royaume de Dieu, avec le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10:1. V. Après sa résurrection, Jésus Christ ordonne à ses disciples, allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16:15-18. VI. Jacques, le frère biologique de Jésus Christ, en s'adressant aux membres des églises, dit dans Épître, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens pasteurs, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques 5:14. Si vous croyez à la parole de Dieu, sachez que le Dieu de la parole guérit toute maladie et toute infirmité. Ainsi, dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, soyez guéris de toute maladie et toute infirmité qui tourmente votre corps. Amen. Soyez richement bénis.